Et nous avons notre ami qui se bat nuit et jour. Il est allé chercher notre bio, il a trouvé les embouts. C'est pourquoi vous nous voyez continuer les embouts. Le gouvernement provincial du Tanganyika par l'office des routes a commencé les travaux d'équirage de la rivière Moba. C'est pour canaliser et orienter cette rivière pour donner des solutions aux problèmes qu'incombent les habitants des quartiers Regues à Moba Port et des villages Katende à ce concernant des inondations causées par cette rivière. Bonjour chers téléauditeurs et auditrices de la télévision Londoléo et bienvenue à notre émission Allo Tanganyika qui parle sur les travaux d'équirage de la rivière Moba. Mais avant de continuer, je dis aussi bonjour au directeur de la télévision, M. Boulamba Odon. Et d'autre part, je salue M. Iboala Ikone Chamboui. Moi, c'est Isidore Kachoule qui vous présente cette émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. C'est déjà plus d'une semaine que l'office des routes a commencé les travaux d'équirage de la rivière Moba. C'est le projet du gouvernement provincial du Tanganyika qui vise à canaliser et orienter cette rivière pour palper du doigt les difficultés des inondations aux habitants des quartiers Regues à Moba Port et du village Katende. Comment avancent ces travaux? Les explications avec Tambo Amis, ingénieur et chef de chantier de ces travaux. Nous sommes venus pour faire le pirage, on l'appelle comme ça dans le terme technique. Pirage de la rivière Moba. La partie ici à durer, comme vous voyez, il y a la plantation, il y a les herbes, donc remettre la rivière là où elle passait depuis longtemps. Nous avons été, on était assis avec les notables, avec la population du village Katene et du quartier Regueza. On a parlé ensemble, tous. Nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait remettre la rivière au milieu, donc le lit, son lit ancien. C'est là que nous sommes venus rincer, curer. Alors là, ça va nous prendre tout un kilomètre pour que cette rivière puisse verser toutes les eaux dans les lacs. Alors, nous étions envoyés ici pour faire le pirage dans 14 jours, c'est ça la durée. Mais est-il que nous avons trouvé la machine, notre technicien ATI, il a remis la machine en marche, nous sommes descendus ici, on a commencé les travaux, cela n'empêche, on a des pannes, des fuites d'huile, des pannes de la pompe d'amorçage, et cela ne nous fait pas peur, on va continuer le travail, quelles que soient les pluies aussi, il y a les pluies qui ont repris, mais nous continuons le travail. On a fait l'état des besoins académiques. On va nous envoyer les deux tuyaux, les huiles hydrauliques, la pompe d'amorçage et le serin. C'est ce qui était la première panne. La deuxième panne, ce sont les tuyaux flexibles. Ils viennent avec le bateau. Si nous ne l'avons pas aujourd'hui, c'est parce que le bateau n'est pas venu. Mais nous avons notre ATI qui se bat nuit et jour. Il est allé chercher d'autres tuyaux, il a soudé les embouts, c'est pourquoi vous nous voyez continuer les travaux. On a perdu 3 jours sans travail, mais c'est un homme brave, il a trouvé quand même une solution. Climatif, bon, je disais, j'ai parlé des pluies, les pluies c'est un climat, c'est naturel. Quand il pleut, cela ne peut pas nous faire peur. Oui. Il pleut, après la pluie, on va travailler. Nous, l'essentiel, c'est satisfaire le souci de l'autorité provinciale et le souci de la population de Moba. Oui, c'est pour satisfaire le souci de l'autorité provinciale et la population de Moba et la population sinistrée. Mais pourquoi vous avez commencé ces travaux juste au début de la saison pluvieuse? Bon, moi, en tant que technicien, je sais que c'est le moment. C'est le moment qu'on m'a remis les moyens. Et comment amener ici. Donc je ne sais pas ce qui a bloqué ou ce qui ne va pas, je ne connais pas. Sinon, je sais que je suis là, on va travailler. Oui, vous êtes là, vous allez travailler, mais il y a des questions que la population est en train de se poser. Là où vous venez de tirer, c'est comme si ce n'est pas l'endroit.
là où la rivière fait les problèmes quand il pleut, quand il est plombé. Il y a des endroits que la population pensait vous pouvez aller orienter, mais vous venez de ce côté ici. Bon, je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite, parce qu'on était assis avec les notables, avec la population de Katende et la population de Geza. Tous, ils ont dit que c'est le milieu. Donc le lit ancien, c'est ici le milieu. Et c'est là le milieu où j'ai commencé à quitter. Oui, parlez-nous un peu après le tirage comme ça. Quels sont les travaux qui vont suivre après? Bon, à mon avis, en tant que technicien, tel que j'ai vu, le terrain, il est argilo-sablonneux. Donc le sable est amené par la rivière, les eaux qui coulent. Pour éviter à la longue, il faudra soit construire les murs de soutènement, ou soit mettre les pierres dans les gabions, on fait les gabions de part et d'autre pour laisser la rivière et continuer son cours normal sans aller de gauche ou à droite. Et ces travaux vont se faire juste après le curage, ou peut-être ça sera encore un autre projet? Bon, ça c'est... on va proposer à l'autorité. Si l'autorité va réunir les moyens, on pourra le faire. Mais dans l'entretemps, il faudra chaque fois curer périodiquement. En attendant que ce lourd travaux, les gros travaux là, de construction ou de gabions, puissent se faire. Selon vous, ces travaux coûtent combien selon les budgets? Bon, il faut s'asseoir seul, non. Il faut qu'on s'assoie ensemble, on étudie les paramètres et on pourra chiffrer. À peine de commencer les travaux, déjà plusieurs difficultés liées aux pannes techniques de l'engin et d'autres difficultés liées aux pluies sont observées. Mais cela n'empêche l'avancement de ces travaux prévus de se faire pendant 14 jours suivant le programme. Mais est-il que ces travaux peuvent aller au-delà de 14 jours compte tenu de ces difficultés? C'est le message de confiance et le message d'encouragement. Ils ne doivent pas tout de suite être inquiétés. Ce qu'on vient de faire, je crois que parmi eux, il y a d'autres qui disent qu'ils avaient creusé pour la première fois. Ça avait fait une année, mais cette fois on a fait avec la machine et on a élargi jusqu'à 12 mètres de largeur. Je crois que une année, deux ans, ils ne connaîtront pas la même situation. Ils doivent faire confiance quand même. Oui, la population doit faire confiance. Depuis que vous avez commencé ces travaux ici, est-ce que la population est informée? La population vous accompagne? Ou peut-être vous le faites sans l'accompagnement de la population? Est-ce que la population comprenne ce que vous faites? Non. Je suis très content depuis qu'on a commencé les travaux. Nous sommes avec le comité de développement. Il est avec nous. La population est avec nous. Mais cela n'empêche, il y a d'autres qui ne sont pas bien informés, qui parlent ce qu'ils peuvent parler, mais la population est avec moi, avec toute l'équipe. Nous sommes ensemble chaque matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Et peut-être à l'autorité locale, l'administrateur de territoire, le chef de quartier, qu'est-ce que vous pouvez leur demander par rapport à l'accompagnement? Je ne les demande pas, ils sont toujours avec moi. Ils m'accompagnent. Chaque jour, ils me demandent où en êtes-vous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Et ensemble, on trouve quand même des solutions. Même l'honorable John, chaque fois, il est en contact avec Alemi pour que la situation soit suivie dès le début jusqu'à la fin. Oui, mais là, vous avez dit, par là, vous avez parlé qu'il y a des problèmes techniques. Comment vous résolvez ce problème, vous-même ou sur place ou comment? Nous avons résolu le problème sur place. J'ai dit que nous avons un technicien qui est vraiment qualifié en la matière et en même temps nous avons fait l'état des besoins académiques. Mais là, quand on continue à travailler, ce sont les solutions de la place. Sur place, le technicien a trouvé des solutions. Mais nous attendons les pièces qui arrivent. Mais là, ici, il n'y a qu'un seul engin. Est-ce que cet engin, ça va suffire pour exécuter les travaux ici, ou ça peut demander qu'on puisse ajouter encore un autre engin? Oui, pour le curage ici, c'est l'engin qui est adapté, c'est l'engin qui est convenable.
seulement à l'entrée là-bas, après, à l'approche du pont. À l'approche du pont, il faudra barrer les eaux de gauche à droite. Là, on va voir si on peut faire l'apport des matériaux. Parce que je trouve, je vous ai dit que le terrain est sablonneux. Alors il faut amener les matériaux pour barrer à gauche et à droite et obliger les eaux de suivre le juste milieu. Oui, là nous voyons aussi, il n'y a qu'un seul chauffeur, si je peux appeler comme ça. Un opérateur d'engin. Oui, votre opérateur d'engin. S'il arrive, il a des difficultés, donc les travaux seront suspendus. Négatif. Au moment même où nous parlons, le technicien LATI, il vient de perdre son père. Le corps est encore là, à Kalimi. Mais vous voyez comment il est en train de se battre pour trouver la solution. Donc, la volonté est là pour travailler et pour arriver à finir les travaux. Quelles que soient les entraves, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous arriver, la solution sera là. Oui, la solution sera là. Aux autorités, peut-être à la hiérarchie de l'office des routes, qu'est-ce que vous pouvez formuler comme demande pour vous accompagner, parce que vous êtes à Moba, c'est comme si s'il y a un problème technique, vous demandez les histoires à Kalemi, parfois vous-même vous avez dit le bateau n'est pas arrivé et les matériels ne sont pas venus, c'est parmi les difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour que les matériels soient présents, soient sur place, pour essayer un peu de résoudre les problèmes rapidement. Oh là là, nos chefs, ils sont ensemble avec nous, ils font le suivi. Chaque matin, ils ont besoin de notre rapport. Chaque soir, avant de dormir, ils ont besoin de notre rapport. Ils nous accompagnent à tout moment. Ils nous accompagnent à tout moment. D'ailleurs, jusque-là, le CDT, il a demandé à notre technicien LATI de voir aussi la situation des autres matériels pour qu'au retour, qu'on puisse amener la situation réelle des matériels. Nous disons merci pour accepter d'échanger avec la radio-télévision Léon Djoléo. C'est moi qui vous remercie. Je trouve que vous faites aussi partie de la population, vous êtes avec nous. C'est-à-dire, vous ne nous abandonnez pas. Ah, donc la chose intéresse tout le monde. Les travaux sont pour tout le monde. D'autre part, les membres du comité de suivi de ces travaux félicitent le gouvernement provincial du Tanganyika qui a compris de lamentation de la population sinistrée. Ils encouragent le gouvernement provincial de ne pas croiser ses efforts pour répondre à ces difficultés, pour faciliter l'avancement de ces travaux. Sisi tunaiambia serikali, tunaipa kwanza ongera. Tunaipa ongera. Nous nous disons merci au gouvernement, merci à notre gouvernement provincial du Tanganyika. Mais il y a ici un petit problème parce que les travaux ont commencé en retard. Et après avoir commencé les travaux en retard, il se pose des problèmes de panne à notre engin qui fait le travail. Nous courons le temps pour finir avant, mais l'engin pose des problèmes. Comme il y a des différentes pièces qui posent problème, je vois que pour commencer les travaux, l'ingénieur est en train de communiquer avec Kalemi pour dire qu'il y a les matériels qui manquent, qu'ils peuvent amener. Mais nous ne savons pas si ça sera aujourd'hui ou demain. Mais en dehors de cela, nous allons demander au gouvernement qu'il fait rapidement d'amener ces matériels pour voir les travaux aille rapidement pour que les habitants puissent continuer à dire merci. Parce que si les travaux vont s'arrêter avant la fin, et le moment que nous voyons, c'est le moment des pluies, ça peut freiner en tout cas. Oui, s'il peut réussir à protéger ces deux villages, Katende et Regeza, ils vont frapper les mains pour savoir que la rivière passe au milieu, va épargner les problèmes de ces deux villages. Outre au contraire de ça, ils ont la demande de dire qu'ici, c'est pour une pause de 2 jours. Mais le gouvernement ne doit pas croiser ses efforts. Qu'il continue à fournir ses efforts, voir comment arriver à battre les murs à tous les deux côtés. Ceci sera une grande chose. Non, c'est-à-dire que l'endroit où l'eau entre, on n'a pas encore touché. Nous avons commencé.